Allô la légende, donc on se retrouve pour le 31e épisode du Let's Play Pokémon Lune, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc on va tout de suite retrouver Gladio et Gazma. Impossible, c'est tout ce dont je suis capable. Tout ce temps à m'entraîner dans la solitude, ça ne sert à rien. Mais ils ont juste bouffé le budget maquillage pour Gazma, quoi. C'est terrible. Place au boss que tout le monde déteste. Celui qui adore éclater les tests, le bling bling, les septemarques, c'est Gazma qui débarque. Toi, ce petit bougre, tout dégoûté, c'est ma dernière victime. Il a voulu jouer les caïds en fuguant de chez lui. Il est venu frapper à ma porte. Son style me plaisait bien, mais quand même, se rebeller contre sa propre mère, sérieux. J'en ai connu des fils ingrats, mais alors lui, il a la palme. Mais toi, Gazma, t'as pas une maman? Et si ta maman, elle savait ce qu'elle faisait? Elle serait déçue. Elle serait déçue si elle savait que son fils se maquille. J'ai rien contre les hommes qui se maquillent. Je trouve ça tout à fait adorable, d'ailleurs. Oui, gros bisous à toi, Victor, si tu regardes cette vidéo. Bref, j'ai donné une leçon et c'est toi, prochain sur ma liste. T'arrêtes pas de me pourrir la vie comme un caillou dans mes pompes à 10 000. Et où est-ce que tu trouves tout cet argent? Parce que je veux pas dire, mais tu pourrais l'investir pour rénover ton manoir. Bref. Je vais devoir sortir l'artillerie lourde et te briser une fois pour toutes. Mais alors, il se barre, mais alors, il se marre. Il rigole comme un Wailord, quoi. Enfin, nous on a une expression qui est se marrer comme une baleine, retranscrit dans le monde Pokémon, c'est se marrer comme un Wailord. Voilà. Elle a 4 Pokémon. Donc il aura pu. Si, il a toujours sa Armouraille avec. Qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Sa Armouraille. Il a mis Migalos. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Tarambule peut-être? Je peux encaisser une attaque, mais je lui ferai pas assez de dégâts avec Mimiki. Noctaline n'a pas l'avantage. Loup-garou qui est mal à montre non plus. Bon, j'ai Archiduc. Éventuellement, j'ai Archiduc. Faudra que je puisse envoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire dépanner son. Je vais essayer de faire dépanner son samouraï assez vite et placer les pièges de roc. Bon, si j'ai bien compris, c'est un bonhomme qui utilise beaucoup les types insectes. Oh putain, il est en train de se placer. Et Archiduc ne fait rien, quoi. Ouais, j'ai quand même fait mal, mais enfin bon. On va te refaire une picore. Normalement, tu vas décaniller assez vite. Voilà, normalement, tu décaniilles. Donc je fais du 3 SKO hein, avec lui. Et là, oh la vache. Oh la plaie. Oh là là. Par contre là je suis mal. Mascadron intimidation, normalement j'ai une baisse d'attaque. Ou une baisse de défense, je sais pas. Je sais plus. Bref, du coup on va décaniller Archiduc pour envoyer Loup-Garou. On va placer nos PVR. Bon, il est haut insecte, mais je pense que je lui ferai largement assez de dégâts avec le Garrok. Faut que le Garrok me plage les PVR en fait. Oh putain, bourdon. Oh vache. Putain, il fait mal son mascadré, il fait super mal par contre. On va dépanner le Garrok. Est-ce que je le toxique avec Noctali pour le coup? Non, je vais pas envoyer Noctali, je vais envoyer Malamandre, en espérant qu'il ait pas d'attaque haut. Faut vraiment que je l'handicape, quoi. Parce que Mascadra est une plaie, mais alors. En stratégie, c'est un Pokémon qui est pas forcément beaucoup utilisé. Enfin, je sais plus dans quel tiers il est, mais je crois qu'il est pas très haut dans les tiers. Mais alors, c'est une plaie. Ce Pokémon est une plaie. On vote toxique. N'est-ce pas?
Alors comme il est haut et insecte, je peux pas faire une attaque feu parce que je ferai pas grand chose. Il me fait lame d'air sur ma lamande. Wouah. Alors ça par contre ça fait très très mal. Oh, pour le coup de dire que Guzma joue bien, Guzma joue bien. Voilà. Voilà. Guzma joue très bien. Est-ce que je change ou pas? Ouais, je vais changer, je vais remettre Archéduc. Archéduc, pardon. J'ai vraiment du mal, hein. Archéduc, j'ai envie de l'appeler Archéduc. Ne me demandez pas pourquoi. Putain, il me fait lame d'air et ça me met tout ça! Mais sans déconner, mais c'est quoi le problème avec ce Pokémon? Oh, mais je suis mais alors, dans la merde. Oh, putain, puis il est plus rapide que moi, alors comme ça. Oh, il me dit SKO. Putain, oh, j'hallucine. Oh, le bordel. C'est un gros, gros bordel. Mais alors, tellement gros. Mimiki va pouvoir encaisser une attaque, mais alors je peux rien lui faire avec Mimiki, quoi. Je peux pas lui faire de dégâts. Ou alors j'utilise Mimiki pour qu'il encaisse une attaque. Bon, on va faire ça. On va ressusciter Archéduc. Il me reste techniquement des rappels. Si j'ai pas tout bouffé. Potion, guérison, Bécitrus. Est-ce que les rappels ils seront pas là? Si les rappels ils sont là. Je vais utiliser un rappel sur Archéduc parce que vu qu'il est type, qu'il utilise beaucoup les types insectes, autant la jouer safe. Oh la galère! Par contre, Mimiki qui évite l'attaque, ça c'est incroyable. Incroyable mais vrai. Donc je vais pouvoir lui faire. Bah du coup, en fait, je vais pouvoir même soigner un peu mieux mon Archéduc. Et Archéduc, je vais lui utiliser. Il est mid-life. Est-ce que j'utilise. Non, je peux utiliser une potion max. Putain, j'ai une guérison quoi. Donc, faut vraiment que je fasse décaniller son mascadra assez vite. Bon, techniquement, il va reperdre des PV. Alors, j'espère qu'il n'a pas d'objet de soin. Parce que sinon, on va être dans la merde. Voilà, fantomas, que le mimi qui tombe. Voilà. Donc, prochain tour de poison, techniquement, il se retrouve KO. Je vais lancer une griffe ombre, du coup. Il utilise l'âme d'air. J'espère que ça va pas trop me faire de mal. Normalement, son mascadra est KO. Oh, solide, Mimiki, quand même. Je suis mid-life, mais pas tout à fait. Par contre, il m'aurait 2 SKO avec 3 SKO, du coup, sans fantomasque. Avec fantomasque. Donc ça c'est solide, il est KO, Malamonde prend un niveau, ce qui est plutôt pas trop mal, et il envoie un Migalos. Ah du coup oui, puisqu'il envoie Migalos, on va changer et on va mettre Malamonde. Alors j'espère que Malamonde est beaucoup plus rapide que Migalos, sinon on est dans la merde, sachant qu'il est, je crois, insecte ténèbres, si je dis pas de bêtises. Donc clairement Migalos, je peux lui faire du gros dommage mais qu'avec l'inslam. L'épée verte qui lui font 25% de sa vie, ce qui est impeccable. Par contre il a l'air de... Oh putain, Kuba. J'espère que tu tiens mal à Malamonde. Ouh. Le 10 PV du charisme quoi. Les 10 PV du charisme. Ok, donc Migalos est KO. Je KO avec l'inslam. Qui est pas plus mal, Malamonde gagne des points, bon on s'en fout, Lugarok monte d'un niveau, c'est impeccable. Il veut prendre escalade, est-ce que ça peut être intéressant? Je ne sais pas. Escalade est de type normal. Non. Trop de... Il y a 15% de chance que ça rate, donc non, on n'apprend pas escalade. Bon après s'il faut que je retourne lui apprendre, je lui apprendrai, c'est pas un problème, mais... Voilà, non, on va pas changer. Je vais essayer le toxique. Faut. Ok, non, mais je vais essayer le toxique. Il envoie sa muraille qui tombe KO au combat direct.
Adieu, Sœur Muraille. Alors, chez Luc, 3 niveaux. Mimiki, non, dommage. Un Scarabrute, est-ce que c'est un... Il n'y a pas les méga, je suis con. Pourquoi je veux que ce soit un méga? Je sais qu'il n'y a pas les méga. Ah, du moins pour l'instant. On verra ce qu'on dit le post-game plus tard. Brismoule. Donc ça, c'est pas intéressant sur moi tout de suite. Je vais t'envoyer toxique. Ça m'aidera de faire des cagniers assez rapidement. Là, je suis tellement dans le mal. Elle utilise casse-brique, donc qui va me mettre KO. Par contre, sachant que Scarabot a pas mal d'attaques combat, comme casse-brique, il serait intéressant que je mette Archiduc, puisque Archiduc ne lui ferait strictement rien. Putain, je reviens pas, quoi. Ça fait 10 minutes que je tourne, ça fait 10 minutes que je suis sur le combat, quoi. Hallucinant. On va lancer Pico. J'espère qu'il y a quelqu'un qui nous soigne ou qu'on a accès à des soins, parce que sinon... Et sinon, on va être dans la grosse... Parlons poliment. Bon, techniquement, il est KO. Non, même pas. Oh là là. Archiduc. Un peu nerf. Mets-moi ça KO. Adieu, Gazma. Ah, pour le coup, il a vraiment bien joué. C'est moi qui ai mal joué aussi, parce que je m'attendais pas à ce qu'il ait des Pokémon genre Mascadra ou des trucs comme ça qui sont des plaies. Clairement, je le dis, un Mascadra est une plaie. Mais c'est quoi le blème? Pourquoi j'arrive pas à te battre? Est-ce que tu utilises que des Pokémon insectes? Ah, tu m'as quand même mis dans le mal, mais bon, j'ai envie de dire... Ah, Gazma, qu'est-ce que tu fais? T'assures pas, là? Vas-y, passe. C'est le mec qui en a. Mais alors, rien à branler. Est-ce qu'on peut avoir accès à des soins? Ah, il faut absolument que j'ai accès à des soins. Je sais pas s'il y a encore des combats derrière. Il faut absolument que j'ai accès à des soins. Genre une machine ou quelque chose comme ça qui soigne. Non, je peux pas entrer par là. Je peux pas. Oh, par contre, cellule de Zygarde. Ouais, c'est le truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cet artefact qui brille? Ah non, c'est rien, c'est la lumière. J'ai cru que c'était un artefact qui brillait. Voilà, vous voyez, ça fait un espèce d'artefact qui brille sur le juste devant la porte. Et je crois que c'est... Enfin, ce que je voyais, c'était ça, je croyais que c'était un objet en fait, mais non, pas du tout. C'est le graphisme de la lumière. Tiens, mais c'est ce char, Alex. Cela faisait bien longtemps. Oh, je n'y croyais plus. Alex, tu es vraiment venu me sauver. Merci du fond du cœur. Alors, comme ça, vous vous connaissez tous les deux, hein? Ne me dis pas, ma fille, que tu as osé te lier d'amitié avec un dresseur aussi formidable, dans le but de me nuire. Oh, tu me déçois beaucoup. Oh que oui, beaucoup. Mère, vous vouliez... Ou non, je vais sauver Cosmog. Tu sais pas de quoi tu parles, gamine. Le temps où tu étais, où j'avais un fils et une fille... Mais ça, c'est avant qu'il rejette mon amour et décide de s'enfuir de la maison. Ouvre les yeux, ma pauvre Lily. Tu n'es qu'une frêle jeune fille et tu crois pouvoir accomplir. Tu n'as ni la force d'un dresseur, ni le soutien de ta propre mère. Elle n'a pas le soutien, elle n'a pas la force d'un dresseur. Elle n'a pas les soutiens de sa mère. Mais elle a son frère et des amis derrière elle. Ce qui est certainement aussi dangereux, j'ai envie de dire. N'est bonne qu'à chipper nos sujets de recherche à t'enfuir comme une petite voleuse. C'est triste d'en arriver là, mais ce qui est fait, fait. Puisque vous êtes tous les deux là, vous allez pouvoir tranquillement m'admirer pendant que j'invoque une ultra chimère. Mère, vous ne comprenez pas. Ce que j'ai fait, ça n'était pas un caprice. Je vous en prie, je vous en supplie, ne sacrifiez pas Cosmog pour une ultra chimère. Si vous ouvrez l'ultra brèche, Cosmog
Cosmog va mourir. Tu as raison, je vais pouvoir s'en pousser au-delà des limites de son corps. Et il est possible qu'il n'y survive pas. Dommage pour lui, j'aurais bien songé à l'épargner si le monde ne venait pas d'une fille indigne que tu es. Alex, je t'en remercierai jamais assez d'être venu à mon secours. Je n'arrête pas de te demander de m'aider et je sais que c'est égoïste de ma part, mais toi seul peux sauver Doudou. Sauve-le pour moi, je t'en supplie. Mais y a pas de problème, mais faudrait que tu me soignes avant. Tu me soignes? Oh, tristesse, elle me soigne même pas. Faut que je vérifie que je sois... Putain, j'ai vraiment rien pour me soigner, quoi, en plus. J'ai plus que des potions max. Petite ellipse, je vais me soigner, je reviens tout de suite. Bon, bah maintenant que nous sommes soignés, et ça n'a pas été une mince affaire, parce que j'ai dû retraverser tout, tout ce que j'avais déjà traversé. Bon, sans les combats, ça va beaucoup plus vite, évidemment, mais enfin bon, c'est assez dérangeant. Quel est cet endroit? N'ayez pas peur, approchez. Je trouve cet endroit, mais d'un glauque. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le blanc ou les couleurs claires. J'aime beaucoup les couleurs très sombres. Du gris au sombre, ce sont des teintes que j'aime énormément. Mais alors cet endroit, le fait qu'il soit gris et blanc, me met très mal à l'aise. Très 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 mal à l'aise. Un Ramoulos, putain, elle a congelé un Ramoulos, le pauvre. Mais cette femme est horrible. Vous imaginez, vous entrez dans une pièce et vous voyez un chien congelé. C'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est absolument horrible. Alors, que possédez-vous de ma petite collection personnelle? C'est ici que je garde mes tendres petits Pokémon pour l'éternité. C'est horrible. C'est horrible. Entre ça ou des animaux empaillés, je sais pas ce qui est le plus glauque. Pikachu, Cocomba, putain, c'est horrible, quoi. C'est dégueulasse. Je fais face à un dilemme à cause des ultra chimères lorsqu'elles arrivent dans notre monde. Elles paniquent et se mettent à semer la pagaille. Mais d'un autre côté, il serait bien inhumain de les laisser dans leur monde. Au fond, elles ont juste besoin de se défouler un peu. Et j'ai l'intention de leur offrir le terrain de jeu idéal, toute la région d'Alone. Alors Tilly, il arrive. Putain, il est benet, mais. Le personnage est tellement benet, mais alors Tilly, encore plus. Youhou, Alex! Ah, Lily, c'est là que tu te cachais. Vous me la rassurez, je tente à chercher partout. Oh, mais c'est ce cher Tilly, vous êtes venu voir. Tous venus voir, comme c'est gentil. Décidément, Guzma est un incapable. Il est incapable de suivre les hommes, les ordres, même les plus basiques. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Mère, je vous le demande à mon tour, ne commettez pas l'horreur d'offrir une ultra vache. Les ultra chimères ont semé le chaos et ce sera de votre faute. Tilly, il est classe quand même. Gladio, il est classe quand même. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Ah, les joies des réunions de famille. D'un côté, la fille qui m'a arraché mon cher petit cosmog, l'autre qui a osé me dérober type 0. Et avec tout l'amour que je vous ai donné, c'est comme ça que vous me remerciez. Je sais pas de quel amour tu parles, mais tu as pas dû leur en donner des masses. Et vous croyez que je suis sincèrement d'humeur à vous écouter? Le fils, la fille. What? What the fuck? C'est exactement ça. Wow, mais vous êtes tous la même. Bon, en même temps, ils ont tous le même pattern, hein. Blonds, yeux verts. D'ailleurs, le. Moon dans Poké Loisir est blanc aux yeux verts, donc est-ce qu'il serait pas de la même famille? Nous étions tous de la même famille, nuance, jusqu'à ce qu'un jour mes deux enfants capricieux décident de tourner le dos à leur mère. Enfin, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour laver notre linchol. Nous avons des sujets bien plus intéressants à aborder. Nos chercheurs ont réussi à ouvrir brièvement l'ultra-brèche à partir des vapeurs extraites de Cosmog dans notre laboratoire. Oh, le pauvre, les doses. Putain, elle va le tuer.
Imaginez un peu toutes ces belles ultra-chimères qui pourront venir grâce à lui. Je le vois déjà débarquer de ce tapis rouge à toutes ces ultra-chimères. Non, mère, je vous en supplie, reprenez votre esprit. À chaque fois que vous utilisez le Cosmo et son pouvoir, vous puisez dans ses forces. Il était déjà affaibli quand j'ai fui Hiter avec lui. Si vous continuez à exploiter, il va finir par mourir. Ce n'est plus mon problème. Regardez bien, je vais ouvrir l'ultra-brèche. Venez à moi, chers ultra-chimères. C'est assez dégueulasse de maltraiter un animal pour en faire venir un autre dans notre monde. Enfin, je trouve ça absolument abominable. Oui, je suis très porté sur la protection animale. D'ailleurs, j'ai entendu... J'ai entendu récemment que des fondations animales avaient récolté... Je sais plus, 60 ou 70 000 signatures pour fermer les delphinariums. Donc, c'est plutôt un bon point. Bon, par contre, là... c'est le truc que je digresse, mais en même temps, la cinématique est super classe. Elle a fait venir un type. Un zéroïde. J'en ai marre d'être malade. J'ai le nez qui coule. Et il coule au goutte à goutte. C'est chiant. Eh bien, regardez, il y en a partout. Oh là là. Veux-tu bien rester tranquille dans ta cage? Tu m'empêches de me concentrer. Seul ton pouvoir m'intéresse. Compris? Alors silence, misérable microbe. Au lieu de couiner, tu devrais te mettre reconnaissant d'avoir trouvé une utilité. Alors qu'il est à Lola, doit déjà être submergé l'ultra chimère. Et c'est tout simplement magnifique. Akala, Polly, Pony, Mélé. Non loin du sautier de Mahalo. Mais qui va là? Mais c'est le Pokémon Elzamina. Je suis désolée, elle ressemble à Elzamina pour le coup, l'ultra chimère. Je ne t'ai jamais vu par ici. Sache que c'est le doyen de Mélé qui se dresse devant toi. Et le Toco. Ok, donc les Toco vont combattre ces Pokémon. Tocorico, tu peux compter sur l'aide du vieux Pectorius de Mélé, le doyen de Mélé. Ok, il y a une forme de dialogue qui a sauté, mais je suis obligé de reboot mon appareil, donc je suis désolé. Faut vraiment que j'investisse dans un 3DS capture et... C'est assez cher un 3DS capture. Floup floub. Adorable ultra chimère, bienvenue à toi. Yo, présidente, les choses se passent comme il faut à ce que je vois. Plus qu'à choper l'ultra chimère et à creuser vos ennemis avec. C'est exactement ce que je compte faire d'ailleurs. Guzma, ces enfants dissipés me fatiguent. Je ne veux plus les entendre. Sois gentil, vais les taire. Je m'occupe de l'ultra chimère. Mon partenaire type 0 est créé dans l'unique but de les affronter. Tilly, tu te charges de Guzma. Alex, pendant ce temps, essaie d'arrêter ma mère. Si on ne fait rien, Alola va être envoyée par les ultra-chimères. Alex, il faut sauver Doudou, je t'en prie. Maline.
Vous ne comprenez rien à la véritable beauté. Je suis désolée, je suis obligée d'appeler mon chat, sinon elle se met à couiner quand elle voit qu'elle est toute seule trop longtemps. Un chat qui n'aime pas être seul. Vous ne voyez pas... Que fait de la peine à cette pauvre ultra chimère. Je vais devoir vous réduire au silence. À commencer par toi, Alex. Oh putain, la honte. J'ai bien fait d'aller me soigner, hein, parce que pour le coup... Chien. Chien. C'est vrai que pour le coup... Par contre, elle est stylée. Il y a 5 Pokémon. Un Mélodelf. Ah. Eh ben, il va falloir que je change tout de suite de Pokémon. Faut que je place les PVR, faut que je me... Alors j'espère juste qu'il a pas inconscient comme talent, parce que sinon on va pas être dans la merde. Bon, j'ai Mélodelf qui devrait largement faire le café, Malamant qui devrait faire le café sur Mélodelf. En espérant qu'il se place pas. Champ herbu, ok. Donc ça c'est bon pour les Pokémon plantes. Comme... Aujourd'hui, j'aurais peut-être dû le toxique, mais enfin bon. Ouais, je le mets mid-life, c'est bon. Je fais le... Mais ma maman nous fera le café sur elle. Qu'est-ce que tu fais? Non, va pas là, toi. Non. Recule, recule, recule. La chaîne qui va dans les câbles, c'est pas top. Putain, puis il a les restes ou une connerie comme ça. Bon, normalement, je le 2 SKO, hein, même avec les restes. Ouais, c'est bon, j'ai du 2 SKO. Il va juste falloir que je passe... Que je place... Je vais essayer de passer les PVR. Il envoie Milobelus. Ouais, on va changer. On va... placer Milobelus, il est juste de type O. Donc j'envoyais Lugarok pour placer les PVR et je changerai sur Noctalie. Ensuite. Soit Noctalie, soit Archiduc. Ah bah non, faut que je profite du champ herbu. Je profitais du champ herbu, j'envoyais Archiduc. Je place mes PVR et... Je place les PVR avec Lugarok et... Si Lugarok tient, évidemment. Oh putain, elle fait le SK au-dessus. Bah, on va changer, on va directement mettre Archiduc. Hein, il faut que je profite au moins d'un tour de... Je crois qu'il me reste un tour, voire peut-être deux. Je crois qu'il me reste... Il me reste plus grand-chose. Tu vas me faire l'âme-feuille dessus, Archiduc. Putain, il rune protect. Ok. Alors, faut que je le décaille très rapidement et... Bah, c'est le SK. Et il faudrait... Que j'utilise un dentifrice avec Cropsy pour décaler son rune protect. Le gazon disparaît, ok. Magirève, ouais, je vais envoyer dentifrice du coup. Magirève et spectre. Donc avec ma chouille, ça ferait le café, mais il faut quand même que je fasse une. Que je décagne le rune protect. Moi je vais faire Cropsy, hein. Psychro, pardon. J'ai du mal avec cette attaque. Feu ensorcelé. Oh, c'est l'attaque signature de Goupelin, ça. C'est Goupelin, la dernière évolution de Fennec. En anglais, c'est Delphox. J'ai un gros doute sur. J'ai un très très gros doute sur le nom français. Un fragile lady. Non, on va mettre Malamandre. Parce que Malamandre a le. En fait, elle est easy à passer. Elle est longue à passer parce qu'elle a Mélodelf, qui est relativement chiant. Mais là, fragile lady qui, de toute façon, sera au SKO avec. OS ou 2 SKO, hein. Myriane, elle est partie gueuler dehors.
Peut-être quelqu'un. Peut-être un livreur, je ne sais pas. Donc t'as du monde d'un niveau, ce qui est plutôt pas mal. On voit Chelours. Non, je sais pas qui c'est, donc... Ouais, c'est Pédobir. Je suis désolée, mais ce truc, c'est Pédobir. Lance-flamme. Si ça marche pas, on fera une attaque Z dessus, mais... Ouais... À 1 PV, juste pour la beauté du geste, nous allons faire la JoJo's Bizarre Pose. Nous allons donc faire une JoJo's Bizarre Pose. Force Z. JoJo's Bizarre Pose Invocation. Déploie ta force telle une aura malamandre. Et déclenche la pyro-explosion cataclysmique pour annihiler ce Pokémon. Pédobir, il est mort. Adieu, Pédobir. Quelle cruauté! Non, pas plus que toi. Pas plus que toi avec tes enfants, j'ai envie de dire. Cette ultra chimère est la seule chose qui compte à mes yeux. Vous pouvez tous disparaître, ça m'est égal. Oh, l'ultra chimère, elle disparaît. Ça veut dire qu'elle peut pas rester longtemps ici? Non, ultra brasseur ferme. Gazma, avec moi. Nous allons capturer l'ultra chimère grâce à nos ultra beaux. Est-ce qu'elle va y aller à l'Hyper Bowl? La question est là. Parce que l'Ultra Bowl, c'est l'Hyper Bowl en anglais. Que nous avons mis au point. Observe, dame. Par contre, il fait super sérieux quand il est avec Alzamina. Il est amoureux. Je vois bien une relation romantique à sens unique entre Guzma et Alzamina. Mais c'est terrible, quoi. C'est horrible, ce genre de choses. Mère. Bye bye! Mais alors, Guzma, il va dedans aussi? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ouais, enfin, ça serait une relation en sens unique avec Alzamina et Guzma? C'est assez étonnant. Pour le coup, c'est comme ça que je le conçois, mais. Je trouve ça assez étonnant en fait. Pourquoi? Doudou, tu n'as rien. Oh non, Doudou. Qu'est-ce qu'il a? Mais il a changé de forme. Doudou a évolué. Oh mon Dieu, Doudou a évolué. Son apparence a changé. Il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons plus rien à faire d'ici. Partons de cet endroit, ça me donne le cafard. Oui, on va décagner d'ici. Et moi, je couperai l'épisode. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de cinématiques ou quoi, mais j'arrêterai l'épisode à peu près ici. Ah, d'accord. Tout le monde va bien? Rien de cassé? Ça peut aller. Par contre, la situation est loin d'être idéale. Entre la présidente et Guzma qui ont disparu dans l'ultra-brèche, et Cosmo qui est dans un sale état. Va falloir se bouger. Et vite. Malgré ses actes méprisables, elle n'en reste pas moins ma mère. Et je refuse lâchement de l'abandonner au monde des ultra-chimères. Il existe forcément un moyen de se rendre dans l'autre dimension. Si seulement le Pokémon légendaire d'Alola était ici. Mais bon, faut pas rêver. Je suis même pas certain qu'il existe. On a beau le vénérer et personne ne l'a jamais vu. Il existe, obligé, si les ultra chimères existent, le Pokémon légendaire aussi. C'est logique. Oui, ça me semblerait logique, ça irait de pair en fait, d'ailleurs.
Moi, je suis sûr qu'on va bientôt le rencontrer. On va essayer d'être positif, hein. Merci, Marine. Ah, mon chien, il tourne en rond, il veut, il vient, il s'en va. Bon. C'est vraiment gentil de m'aider, à vous, Alex et Tilly. Demande-moi l'idée de vous couper dans votre élan, mais est-ce que vous ne voudriez pas vous reposer un peu d'abord? Nous avons une salle de repos libre pour vous. Ouais, moi c'est une bonne idée. Ça tombe bien, j'ai les jambes confortables. Je pense que c'est un très bon plan de se reposer ici, comme ça je vais pouvoir couper l'épisode. Moi je vais dormir ici. C'était quand j'étais petite avec ma mère. Maman avait l'habitude de dormir dans ce lit. Et je suppose qu'elle s'agira de ma dernière nuit passée dans ses draps. Oh, elle est nostalgique, la petite Lily. Mais faut pas être nostalgique. Il ne faut pas être nostalgique, petite Lily. Ah, ça nous soigne. Ok. Est-ce que j'ai regardé Lily dormir toute la nuit? Pas trop fatigué, mon petit Alex? En fait, je crois que Lily voulait te dire quelque chose. Elle t'attend à l'extérieur. Bon, eh bien écoutez, c'est sur une supposition assez étrange que j'ai, que je vais arrêter l'épisode ici. Je vous fais d'incroyables bisous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye les gens, c'était Alcia.